Au lendemain des explosions, la station balnéaire thaïlandaise de Hua Hin s'inquiète de l'éventuel départ des touristes. Deux des quatre victimes des attaques à la bombe ont été tuées ici. Dans l'intervalle entre jeudi et vendredi, 11 bombes ont explosé en Thaïlande, frappant 5 provinces et notamment la célèbre île de Phuket. La vague d'explosion risque d'avoir un impact important sur la saison touristique, le secteur représentant plus de 10% de l'économie thaïlandaise. Je suis dans le doute, dit cette touriste. Maintenant, je ne sais pas ce qui peut arriver ni comment notre pays va s'en sortir. L'économie n'allait pas fort et je crois qu'elle sera touchée. Le marché boursier se redressait. Peut-être va-t-il à nouveau s'effondrer. Ça m'inquiète. Ce qui s'est passé est terrible, dit cet ouvrier. Vraiment terrible. Des innocents ont été blessés, d'autres tués. La police estime qu'il s'agit de l'action d'un réseau tout en excluant la piste d'une action séparatiste ou l'hypothèse d'une attaque terroriste internationale. Quoi qu'il en soit, ces attaques fragilisent la junte militaire qui avait fait de la sécurité et du retour au calme ses engagements principaux.